Et salut à toutes et à tous les gamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Alcazia. Et je suis accompagné de mon ami russe, le célèbre et l'unique, le seul Fury. Comment vas-tu, mon petit Flaming Fury? Très bien, et toi? Ça va très très bien. Il y a aussi Clem Clem qui est avec nous dans la conversation, mais qui n'aura pas de micro vu que je connais pas la qualité de son micro et je ne veux point gâcher le son et l'audio de la vidéo, sachant que Fury a quand même un très bon micro. Et ben, j'ai dit que pourquoi pas. Ensuite, il y a aussi. Dis son nom parce que j'arrive jamais à le dire là. Wiener. C'est Weaver. Ouais. Le gars que vous entendez faire des petits bruits de ting 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 ting, c'est parce qu'il parle depuis tout à l'heure, mais bon. Enfin bon. Voilà les amis, fait qu'aujourd'hui on se retrouve sur Alcazia et puis j'ai eu un petit pillage d'une base. Je sais pas normalement si la base a été pillée ou whatever. Je sais juste que la base, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai un home là. Je crois que c'est quelqu'un qui m'a TP, je suis pas certain, je me souviens plus. Ça fait un petit moment. La dernière vidéo que vous avez vue, les amis, ça doit faire environ une semaine que j'ai pas tourné. Puis voilà, ben je me suis dit que voilà, j'ai oublié un peu tout. J'avais pris un petit peu les vacances un peu tout. Là, j'ai recommencé. Fait que voilà, je vais prendre mes 15 TNT, je vais essayer de faire blow. Je sais pas si c'est claim, je pense que ouais, j'ai l'impression que ça va l'être. Je vais juste donner ça. T'as-tu des redstone ou quelque chose, Clem, genre pour allumer la TNT? Ah, c'est bon, j'ai trouvé la redstone. Je vais juste trouver des leviers. Parce que vu que je suis un mode beau gosse, il faut ouvrir avec les leviers. Ça, plus ça. Voilà, c'est bon. Voilà. Deux leviers. Bon, home, c'était quoi le nom du home? Comme ça. Weed, motherfucker. Si on va essayer de faire blow up, je sais pas c'est à qui. Je pense que c'est claim. What? Ok, j'arrive pas à ouvrir. En tout cas, regardons, on peut voir, c'est quand même assez. C'est joli. Oh, c'est pas claim. Oh, great. Great, 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 great. Ça veut dire qu'on peut prendre tout ce qu'on veut. Ok, fait que je vais prendre tout ce que moi je veux. Et puis après ça, je vais faire exploser. Si c'est un abonné qui est ici, je suis désolé, mon ami, je me souviens plus. Fait que j'ai dit, je sais pas si c'était pour piller ou si c'était une base à quelqu'un ou whatever, je me souviens plus. Mais bon, on va la prendre vu que c'est voilà. Vu que je suis un gros bâtard. Puis au pire, si c'est un abonné, tu me le diras, puis je vais vérifier avec toi si c'était vraiment ici. Tout. Faudra que t'aies un home ici. Fait que garde un home là, supprime-le pas. Puis voilà. Ben, je pourrais voir si je pourrais t'en donner du stuff. Fait que moi, les potions, ça m'intéresse. Les pioches, pas trop. Bon. Toi, tu fais toi quoi, mon petit Flaming Fury? Tu peux nous expliquer rapido? Ah oui, tout à fait. Alors, je suis en train de te faire la miniature sur OptiFight. Merci, mon ami. Alors, les amis, si vous avez vu, j'ai commencé une série sur OptiFight. Je voulais vous expliquer en même temps en parlant de Alcazia et puis, ben, pourquoi pas OptiFight. Je sais qu'il y a une genre de guerre entre ces deux serveurs-là. Moi, je suis vraiment ici, les amis, pour m'amuser sur les deux serveurs. So, je veux vraiment pas qu'on commence à m'insulter tout. Déjà, dans les derniers épisodes, ça avait déjà commencé. Fait que j'espère vraiment que ça va pas continuer. J'espère sincèrement que vous allez comprendre que je fais ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube, je vous encule. Puis ben, si j'ai envie de faire ça, je le fais. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Le jour où vous allez comprendre ça, la vie, les amis, votre vie va être beaucoup mieux. Et puis voilà. Fait que je vais prendre la jukebox vu que je suis une grosse pédale. Je suis quand même pas pour laisser un jukebox ici tranquille tout seul. Vous me connaissez mieux que ça. Et on va juste attendre qu'il casse parce que j'ai pas envie de le recommencer. Puis j'ai comme pas trop le choix de le recommencer, calice. Et puis, oh, il y avait Madame Pavoshko, wesh. Je vais le garder. Fait qu'on va faire exploser la TNT. On va bien situer nos TNT. Ici, 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 ici. On va poser un bloc d'or pour le swag. Oh non, non, ça on peut faire des pump sheets avec. Les gars, tout pour un pump sheet. On va mettre le levier là. On va continuer à poser la TNT. Oh, il y a des trucs là. Oh, ça je garde. Ça je garde. Ça je vais garder, pourquoi pas. Ça je vais garder aussi. Ça aussi. Ça aussi. Juste checker une dernière fois les coffres, les amis. Le gros bâtard. comme ça. Et puis. Puis voilà. Je crois que c'est pas mal ça. Oh, ça c'est pas pire. Des granite blocks. Les granite blocks, c'est bon ou pas bon? J'attends la réponse de Clem dans le chat, les amis. Il va sûrement dire que c'est bon. Je les garde ou je les jette, Clem?
Ah merde. Ok, je vais juste poser la redstone un peu partout d'abord, puis. Moi je dis que ça va faire des bobos, les amis. Oh, le freeze, vous avez vu le freeze? Bye bye. Explosion magnifique. J'ai bien aimé l'explosion, les amis. Je dois vous la mettre puisque l'explosion était magnifique. Ouais, mon frère. L'explosion était magnifique. So, voilà, si c'était la base de quelqu'un, ben, je suis désolé, mon ami. J'espère sincèrement que tu m'en voudras pas. Je me souvenais plus de où ce que ça venait, de où ce que j'avais un home ici. So, voilà. Par ailleurs, si tu veux, je pourrais te redonner du stuff. Il faudra que tu me contactes au numéro suivant, le 1-800-mange-la-marde.ca. Fait que tu vas pouvoir me trouver. Puis, c'est pas vrai, mon ami, je t'aime. C'est pas vrai, je t'aime bien. Je veux juste aller voir les chemins. Est-ce que vous pensez qu'X-Ray s'est autorisé là-dessus? Le gars cheater. Non, mais c'est vrai, Opsifight, les amis, le X-Ray est autorisé. Ouh! C'est pour ça que j'ai demandé ça, en fait. Fait que voilà. Je crois qu'il y a miné ici. Enfin, bon. Ça nous fait un petit home. Petit home de pied. Fait que le spa, on va voir c'est quoi home spa. J'espère que c'est pas en PvP quand même. Sinon, on va se faire une potion là. Spa. Ah oui, c'est vrai. Ici, c'était ici qu'il y a les bonnes coordonnées. Ouais. Bon, ben, je vais delete home ici, c'est juste pas besoin. C'était juste parce que je pensais faire un home ici, mais bon. Ça n'a plus à rien. Del home. On va juste aller voir. Home Bastien. Je me souviens plus. You. Non, plus personne. On va aller voir. Mais oui, c'est clair. Bonsoir, mon frère. Oui, c'est clair. Oui, mon frère, c'est clair. Bonsoir. Je suis venu ici pour te parler en ami. Ah, sa mère la pute. Oh, oh merde! T'as pas de la TNT, s'il te plaît? Clem, Clem, t'as pas de la TNT, mec? Ok, est-ce que tu peux me la donner, s'il te plaît? Le gars, il a activé des fils de redstone dans sa base. Or, je vais pouvoir les... Ok, ouais, donne. Justement, c'est assez, bien assez. Home... home coffre. Va au FOM, je vais aller voir à mes home coffres avant. Ah, fuck, j'ai fait home coffre. Je vais voir à mes home coffres si j'en ai pas. Le gars, il a de la TNT d'allumer déjà. On pourra le troll et puis... Oh là 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 là, ça risque d'être rigolo, ça, les amis. Je crois que Chloé en a sûrement mis quelque part ici. Je vais juste jeter tout ça d'abord. Oh, mon épée. Quand même, là. Puis le prochain épisode, les amis, je pense que je vais essayer de farmer au FOM pour essayer de faire un stuff bien badass. Je pense que ça pourrait faire un bon épisode. Voilà. Fait qu'on va essayer ça en mode YOLO. On va chercher la TNT, sauf que ça va vraiment entendre des bruits de coffre. À moins que je vous enlève ça pour le moment. Vidéo. Oh. C'est quoi? Ça s'appelle les blocs. Ouais, c'est un petit peu plus... C'est un petit peu moins fort, c'est correct. Oh, ici, il y avait de la poudre. Hop là. Je vais juste checker dans tous les coffres, bro, puis après ça, je vais venir à toi. Ok, tu comprends. Aussi, les amis, je voulais vous faire une vidéo découverte de la 1.8 il y a pas très longtemps, mais je me suis dit que c'est de la merde de la 1.8, so voilà. Non, sans déconner, les amis, quand vous installez la 1.8, ben, mon Better PvP marchait plus après. J'ai dû tout supprimer ma Minecraft, tous mes mots de passe, tout. Oh là là. J'ai dû changer de mot de passe sur tous les serveurs où j'allais. Oh là là, la vraie galère, les amis. Parce que vu que je faisais mes mots de passe avec le macro, tu sais, quand je le remettais, ben ça faisait de la merde. Parce que là, je savais plus le mot de passe, tu sais. Moi, c'était des choses sur moi. Mes mots de passe, c'est des trucs du genre. Ta 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 ta. Puis, tu sais, des genre, quand tu tapes ta tête sur ton clavier, puis t'as des chiffres, là. Sans déconner, mec, c'est ce que je foutais. Je donne des coups sur mon clavier, ça me donne mettre un mot de passe, mais bon, voilà. Y'a pas un truc où ce que c'est marqué TNT? Ouais, là. Ben oui, mais tu sais, c'est que. Y'a un coffre marqué TNT, mais y'a pas de TNT dedans. Tabarnak. Voilà. Maintenant, faut trouver du sable. Ah, y'en avait à leur base. Pourquoi j'ai fait exploser la base? Je suis tombé un con. Putain.
putain, sa Alors, mère. Filtre flou. Oh là là. Okay. Oh là 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 là. Alors, les amis, je voulais aussi remercier Petit Flaming Fury pour toutes les miniatures qu'il me fait, les amis. Il a fait une chaîne de design, si je m'abuse. Et puis, vous pouvez vous abonner, les amis. C'est quand même des speeders, puis tout. Là. Je sais pas si t'en as posté à date, là, mais je sais que la dernière fois, on en avait parlé vite fait. T'en es rendu avec la chaîne YouTube, mon pote. Non, moi, j'ai recréé la chaîne et j'ai mon 7ème speed art. Ok, ok, ok. Et plus, je m'auto-spoil, tu vois, il y aura bientôt des tutos. Je m'auto-spoil, tu savais même pas toi-même, tu sais le gars. Je suis au fond, si tu veux me donner la TNT, bro. Non, j'ai déjà préparé un petit tuto là pour les gens pas intelligents, tu vois. Ouais. C'est pas qu'ils sont pas intelligents, mais bon. C'est les gens qui se débrouillent pas là-dedans, on va dire ça comme ça. Ouais, voilà, et qui veulent apprendre, quoi. Ouais. Tu vois, ça pourrait te permettre d'apprendre aussi. Ouais, bah non, en fait, non. Moi j'ai des esclaves qui me font ça. En fait non. Je m'en ai lu. Alors YOLO les amis. Merci Clem. J'arrive pas à récupérer là, mais attends, je vais sûrement réussir un jour. Attends, attends, le gars me dit comment faire pour rejoindre ta faction. Alors, check bien ce que je veux te marquer, mon ami. Il faut me donner ton compte bancaire et 10 000 et 20 000 codes d'euros. Et le tour est joué. C'est pas très compliqué, dis-lui. C'est easy comme un pet juteux. Juteux, ah, comment on marque juteux? Juicy, un peu juicy. C'est dégueulasse, mon gars. Okay. Attends, faut que. Bon, j'ai 5 TNT, je crois que ça va faire. On va aller au home Bastien. Alors, on va troll Bastien. Bastien, c'est qui, les amis? C'est. En gros, c'est. Un joueur de mon serveur. C'est Bastien 2828. Et puis. C'est genre le plus gros connard que je peux trouver sur la planète Terre. Il a essayé de me trahir une fois sur Alcazia. Fait que voici ma petite vengeance, mon ami. Pas jamais tu t'essayes de trahir le Pikachu de l'internet. Ou il vient se venger en trouvant ta base avec le F-Map. Alors voilà, je vais juste essayer de bien placer ma TNT. Oh ouais, merde! Ah ouais, je suis pas très intelligent, moi. On peut pas placer dans les clèmes ennemis. Ah ouais. C'est un petit peu ballot quand même, hein. Je veux pas dire, mais bon. Petit peu. Franchement, un petit peu. Ah merde! Ah tu merde. Fais un canon à TNT ou je sais pas. Ah merde! T'as pas des underpearls? c'est quoi qu'il y a par là-bas? Oh shit, c'est quoi ça? Oh, y'a un spawner là. Ah merde, non, je peux pas faire le canon de où que je suis. En fait, la TNT est activée dans l'intérieur. Moi, je pensais que j'aurais pu poser la TNT dans les clams et puis voilà. Mais ouais, j'avais pas pensé que ma tête en fait. Bonjour. T'avais pensé avec quoi? Le goût de ma graine, quoi. Ouais, c'est un peu ballot là. Ouais, c'est un peu con là quand même. Je me suis bien baisé, je me suis auto-baisé, les gars. Alors, voilà. Ah, il est là. Okay. Il me donne vraiment une TNT là. Hey, pour un instant, je me sens riche, les amis. Oh là 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 là, je suis tellement riche! Merci, monsieur Red Bull. Une dédicace à toi. Merci, une dédicace à tous ceux qui ont dit mon nom plus haut, juste ici. Alors, une dédicace à Hydez. Dédicace à tous ceux qui ont dit dédicace. Puis voilà. Ok, regardez ça, les amis. Je vais vous montrer quelque chose que j'aime bien faire, ok? J'aime bien faire ça, ok? Dans le fond, regarde ce qu'on fait. On marque exemple. Des questions stupides, genre, ok. Genre, ok. Un éléphant. Mais oui, c'est clair. Voit une souris. Il va faire quoi? Réponse 1. Il va pleurer.
Réponse 2, il va mourir. Réponse 3, il va avoir peur. Si un éléphant voit une souris, les amis, je répète la question, on joue ici pour gagner un champion, vas-y. C'est quoi, comment ça s'appelle l'émission? On joue pour gagner des euros, alors voilà. Ça dépend, il y a question pour un champion. Question pour un champion. Oh shit, ma chaise d'ordi a cassé, attendez, je reviens les amis. Oh là là, attendez, je vais la revisser. Vite fait. Alors, la réponse était la réponse 3. Et c'est notre ami, les amis, dédicace à lui, notre ami, il a peur. Alors, Wang Shang remporte, les amis. Eh bien oui, une question pour un champion. Tu es devenu le champion, les amis. Alors, félicitations, mon ami, tu gagnes. Il a peur. Alors, je répète, la question était, si un éléphant voit une souris, il va faire quoi? Réponse de 1, il va pleurer. Réponse de 2, il va mourir. Réponse de 3, il a peur. Et la réponse était, la réponse de 3. Wouh! Qui a rejoint? Qui a rejoint pendant une question pour un champion? C'est pas gentil, on fait pas ça. C'est question pour un champion. Fait qu'on va poser une autre question pour un champion. Mais oui, c'est clair. Et bravo. Appelons-le Jean-Louis. Champion. Bon, question 2. Question numéro 2. Pour gagner des millions de dollars invisibles. Voyons voir la question que nous pouvons poser. Alors, si trois pingouins se promènent sur la route, que va-t-il leur arriver? Réponse 1, mourir. Réponse 2, manger un kebab. Et je répète la question, les amis. Si trois pingouins se promènent sur la route, que vont-ils faire? Que va-t-il leur arriver? Manger un kebab? Ou bien mourir? Quelle est la réponse, les amis? Et on peut voir ici, il y a plein de gens qui connaissent la réponse. Parce que je peux voir ici, les amis, il y a plein de gens qui connaissent la réponse. Alors, pour une question pour un champion, les amis, nous avons la réponse numéro 2 de Pro Ball Tech. Il gagne rien du tout, les amis. Il gagne $1 million invisible. Alors, voilà, il mange un kebab, microphone les amis. Ouais, alors, je disais, il gagne un kebab et puis des millions de dollars invisibles. Alors, c'est pas super, ça, les amis? C'est pas super. Bravo! Vous avez tous gagné des dollars invisibles. Wouhou! Tout le monde! Youpi! T'es qui toi? Je suis Ice Wolf. T'es qui toi? Enfin bon les amis, fait que voilà. Bon, je sais pas quoi trop quoi dire d'autre. Attends. Je suis une femme. Tu te trompes de personne. Navré. Alors, question numéro 3. Pour gagner un kit samouraï. Bienvenue à une question pour un champion. Alors, les amis, on va passer directement à la question suivante. Ok, la question suivante va être la celle-ci. Ok, écoutez, vous êtes prêts, les amis? Je veux entendre l'audience taper des mains. Allez, on fait du bruit dans la salle, s'il vous plaît. Ok, il n'y a aucun bruit. Bon, je vous déteste, espèce de public de merde. Allez tous vous faire enculer. Alors, la question va être celle-ci. Si Martine aime les queues. Et elle bouffe trois queues. Que va-t-il? Il se passe quoi? Si Martine aime les queues et elle bouffe trois queues, il se passe quoi? Réponse de 1. Elle a plus faim. Réponse de 2. La bouche pleine. Oh non, mais ça, il n'y a pas assez de place. Elle a bouche pleine de plus faim. Si Martine aime les queues et elle bouffe trois queues, il se passe quoi? Bouche pleine ou plus faim?
La bouche pleine. Et nous avons un champion! Wow! Je dis félicitations à tous les gagnants. Il en a un, c'est Clem, Clem la bite. Clem, Clem. Ah, mais ouais, mais Clem, Clem, t'es dans le TeamSpeak, ça va pas le faire. Il a triché! Il a triché! Alors, attends, je vais le donner à qui le kit samouraï? Je vais le donner à. Attends. C'était où ma question que j'ai posée? Ah, ouais, c'est là. La bouche pleine, un Wang Shang. TPA. Warn quelque chose. Je vais lui donner tout ça. Lulu, garde ça pour moi. Garde ça pour moi, mon frère. Garde ça pour moi, mon frère. Et quand je reviendrai. TPS, mon frère, tu as gagné. Il faudra que je me rallie d'une chaise d'ordi. Hein. Fuck. Elle vient vraiment de casser, no joke, les amis. Maintenant, je suis genre assis sur mes genoux. Je suis genre sur mes genoux. Sans déconner, les gars. Quel clochard. Ah oh, merde. Putain, non, elle est cassée, j'arrive pas à réparer. Pas bon, on reverra ça plus tard. Sniper. J'ai pillé qui? What the fuck? J'ai fait aucun pillage sur Iceworld sur Acadia en ce moment, pas en ce moment, et je crois pas que c'était lui. Hein. Ok, attends, faut qu'il accepte le truc là. Ah ouais, échange. Oui. Ah ouais, mais attends. Tac, 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 tac. Échange. Warn. Yes. Je suis pas encore habitué au truc d'échange, les amis. Confirmer l'échange. Bravo mon champion. Voilà, c'était tout pour une question pour un champion, les amis. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Et si nous atteignons les 50 pouces bleus, les amis, vous pouvez peut-être jouer. What? Attendez, je vais juste régler le problème avec le petit garçon ici. Je comprends pas. Avec le petit garçon. Je n'ai jamais pillé. Personne. Peut-être autre gens de ma faction. Je suis désolé, mon ami. Alors, les amis, je disais, si vous avez apprécié cet épisode de 1 question pour un champion, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si on atteint les 50 pouces bleus, peut-être pas, pourquoi pas refaire une autre question, un champion, une autre fois, les amis. Sur ce, c'était Jean-Claude Van Dahl et on se retrouve très bientôt, les amis. Bisous, bisous.